De Ryan avec les gars de Kamakazi. C'est là où est-ce qu'ils font leur enregistrement puis où est-ce qu'ils se pratiquent. Alors, je vais parler, vous avez quand même eu une... On va parler des débuts pour commencer. Ça fait quand même longtemps que vous jouez ensemble, mais avant, vous êtes connu sur le nom de Pro Lead puis vous jouez en anglais. Effectivement, ça s'appelle Pro Lead. On a même le CD juste ici. Mais vous êtes connu au secondaire? Ouais, on s'est connu à l'école des sources en secondaire 1 ou 2. Moi puis Gab, on jouait ensemble déjà un peu, puis Ryan est dans un band métal. Puis pour X raisons, les étoiles se sont alignées, puis on a commencé un band ensemble. Je sais pas comment non plus, mais c'est juste comme, it just happened, c'est juste arrivé. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Mais comment le processus s'est fait de changer de Pro Lead à Kamakazi? Mais dans le fond, Pro Lead, ça a duré 7-8 ans, puis vu que c'était en anglais, le marché, c'était un autre monde complètement, puis je pense qu'on était tous un petit peu blasés de Pro Lead, parce qu'à un moment donné, c'est dur sur le moral de toujours se faire dire non, se faire refuser, dire qu'on est poche, vraiment. Fait que là, monnaie, nous autres, on voulait juste retrouver la petite étincelle du début, de la première fois, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, ben en fait, ça a commencé comme un side band, qu'on a dit, pourquoi pas commencer avec Kamakazi. Ryan, il jouait de la guitare dans le Pro Lead, puis lui, c'est un drummer, fait qu'il voulait jouer du drum. Fait que Nick, il a commencé un band avec lui, qui était Kamakazi. Fait que c'est pour ça que c'était un side project. Puis finalement, Pro Lead, ça marchait tellement plus. Puis il cherchait un bassiste, puis on se dit, Gab, ben, OK! Il peut jouer de la bass avec moi, c'est lui anyway. Fait que c'est comme, ça, c'était genre, Gab, tu jouais, puis en premier, il va toujours me rappeler de sa face. Il dit, c'est une joke, right? Oh non, c'est sérieux, OK. Alright. Au début, là, j'étais sûr que c'était une joke. Il dit, quand Nick a dit, je chante et le mot dans un band francophone ensemble, tout ça ensemble, là, pour moi, c'était... Ça se pouvait pas, là. Mais c'est genre, pourquoi vous avez choisi de passer à l'anglais ou en français? Mais tu sais, enfin aussi, comme il disait, être blasé de l'anglais, parce que je veux pas en anglais, c'est un plus gros marché. Puis, tu sais, le but qu'on avait au début, même quand on avait commencé à jouer de la musique ensemble, c'est de s'amuser, puis de dire ce qu'on voulait dire, puis jouer pour le plus de monde possible. Puis en anglais, ça a l'air que le monde n'était pas concentré. Il était concentré sur tous les autres aspects. Fait que quand on a décidé de lancer un nouveau projet, on dit ben pourquoi pas aller quelque part d'autre, aller jouer pour d'autres personnes. Puis le milieu francophone était beaucoup plus ouvert aux nouveautés et la relève. Et les subventions, toutes ces affaires-là, même l'aide comme côté des work, pas monétaire, mais aussi comme workshop, comme il y avait beaucoup des classes, des cours qui se donnaient là-dessus. Fait que pour nous autres, c'est comme ben pourquoi pas aller jouer pour le monde qui veulent avoir de la musique et non pour le monde qui sont allés en avoir. Votre premier album s'est super bien déroulé, vous l'avez lancé en 2008, vous êtes parti un an et demi en tournée. C'est quoi de vivre aussi longtemps de temps en tournée? T'sais, c'est sûr quand tu compares ça aux grosses tournées américaines, puis worldwide, comme t'sais, à chaque jour c'est un show. C'est parce que t'sais, nous autres, on a des jobs la semaine, puis du tour la fin de semaine, fait que t'as comme des semaines de 16 jours. Puis ce qui arrive aussi, c'est que comme un band comme le Nut, quand on a commencé en 2008, quand on avait sorti l'album, personne ne nous connaissait, il y avait peut-être deux personnes par show. Puis c'est comme, t'es obligé de recommencer à zéro comme on a fait. Et d'aller chercher tes fans un par un. Puis c'est pour ça que genre après un an et demi, ça a tellement passé vite parce qu'on t'est rendu au dernier show de la tournée puis c'était sold out. Genre, fait que c'est comme à un moment donné, tu vois plus le temps passer, puis t'es juste tellement habitué qu'à chaque semaine, il faut peut-être prouver à une autre ville du Québec. Et vous n'êtes pas resté juste au Québec non plus, vous êtes allé aussi en Ontario? Oui. Ça s'est passé comment? Ah, ça a super bien été parce que même moi je le savais pas, mais il y a beaucoup de petites communautés francophones partout dans le Canada, puis je le savais même pas. On est allé à Winnipeg, on est allé un peu partout en Ontario. Puis c'était vraiment le fun, vraiment là, c'était vraiment des belles expériences. Vous avez fait un show au Club Soda en septembre dernier, est-ce que c'est vraiment votre endroit mythique parce que c'est là que ça vous a fait connaître? L'histoire du Club Soda, c'est super, c'est quand même quelque chose de magique pour moi, puis pour Gab, puis Ryan, parce qu'on a joué quand on avait 15 ans à cette salle-là pour un Battle of the Bands qui était dans le fond il y avait comme 30 bands, tout le monde jouait 20 minutes, personne ne savait ce qui était qui, puis il disait qu'il y avait des juges, mais il n'y en a pas de juges dans ces concours-là, tu sais. Mais c'est ce genre d'affaire-là, puis on s'est dit, un jour, ça serait-tu bien hot, un jour de jouer
au Club Soda, puis avoir notre nom sur le marquee, puis que le monde sont là en ligne pour toi. Puis de faire ça en septembre, puis arriver, puis justement, il y a du monde en ligne pour toi, ton nom sur le marquee, et que tu remplis le Club Soda aux trois quarts quand Sean Kingston puis Metallica jouent le même soir dans la même ville. C'est très cool. Puis effectivement, Club Soda, pour nous autres, de jouer là pour la fin de la tournée, dans le fond, fin montréalaise de la tournée, c'était un gros party en disant « We did it », comme on l'a fait. Et attendez-vous à quelque chose encore meilleur pour le deuxième. Vous avez quand même un concept vraiment nouveau, c'est que vous le faites comme en direct vos pratiques sur la webcam. Est-ce que vous voulez comme m'expliquer un petit peu le principe? Ben monsieur... le créateur, ok. Ok, ben c'est toi le créateur. Je suis le Truman Show. L'avance parce que, tu sais, on s'en est faire le deuxième... On est en train de travailler sur le deuxième album. Puis là, avec beaucoup, on a beaucoup de fans qui nous découvrent en France puis en Europe en ce moment. Puis, tu sais, pour nous autres, c'est vraiment cool parce que c'est un autre marché. Puis, tu sais, eux, ils peuvent pas nous voir show, ils peuvent pas rien nous voir à part des photos puis downloader nos tunes par illégalement, tu sais. Fait que je voulais trouver une manière pour non seulement les Québécois qui veulent nous suivre, mais aussi le monde à l'extérieur qui voulait nous suivre d'une façon intime. Puis, tu sais, dans le fond aussi, c'est de prendre avantage de la nouvelle décennie. On est en 2010, you know, tu sais, le futur est là, tu sais, Back to the Future 2, on est là, tu sais. Puis, la technologie n'est juste qu'un compliment ou une cerise sur le gâteau et non la raison pour laquelle le band est bon. Fait que c'est pour ça que la webcam, on le met sur le web et on dit « Check, venez nous voir ». Mais c'est jamais comme « Kamakazi est bon et vraiment hot à cause du webcam ». Tu sais, c'est quand même le but, c'est d'avoir un petit bonus pour le monde qui nous ont suivis et qui veulent nous suivre. L'adresse internet pour suivre le band, autant sur les informations que pour la webcam? Ben, en fond, tu peux toujours faire le www.kamakazirock.com, myspace.com/kamakazirock, ou j'ai appris ça, si tu fais Google Kamakazi Sucks Balls, on est la première affaire que tu vois, fait que tu peux toujours nous trouver de même. Merci beaucoup de votre temps, puis on suit le développement sur la web.